Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez super bien. Ici, il fait super beau pour ma part. J'ai passé une super journée. J'ai vu Chéri, on a passé un super après-midi. Et puis en plus, ma journée, elle s'est trop bien entamée. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai vraiment envie de partager avec vous. J'ai mes copinettes qui m'ont encore ensoleillé ma boîte aux lettres. Et franchement, pourquoi vous me pourrez? Mes copinettes, elles n'arrêtent pas de me pourrir, gâter de fou. C'est un truc de dingue. Vous êtes tellement adorables avec moi que bah ouais, ça me touche vraiment. Vraiment beaucoup, on se connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, juste à travers nos vidéos et nos échanges virtuels, quoi. Mais vous êtes tellement, juste tellement adorable avec moi. En plus, je mets du temps à vous faire le tirage au sort et tout. Parce que ben, j'attends encore deux courriers pour mon concours, mais je vous promets, après je clôture tout et je vous fais le tirage au sort, je vous le promets. Je sais pas si je fais une vidéo et je tirage au sort comme elle avait fait Postcrap, que je trouvais que c'était une super idée. Elle avait mis des petits numéros par rapport à ça, que elle avait mis tous les noms sur ses petits papiers. Et puis devant la caméra, bah du coup elle a tiré au sort. Et donc je me dis pourquoi pas le faire comme ça, pourquoi pas le faire tout simplement à l'ancienne. De toute façon, là vous ne pourrez que voir si je suis de bonne foi ou quoi. Il n'y aura pas d'histoire de logiciel, de trucs de je sais pas quoi. C'est la main de l'homme et vous me verrez faire. Donc moi, je trouve ça beaucoup mieux que de passer sur un logiciel, on sait pas. Je sais pas pour vous, mais il n'y a pas mieux que la main de l'homme pour moi. À des moments, hein. À des moments. Mais de toute façon, j'avais commencé déjà à vous en parler. Dans tous les cas, il y aura une gagnante. Un lot. Que j'ai un peu gardé. Regarni depuis la vidéo que je vous avais faite, j'ai un peu grossi le lot parce que vous le méritez tellement de par votre gentillesse et de par votre amour que ben voilà que vous me donnez quoi, que ce soit à travers vos mails, à travers vos petites cartes, vos créas, à travers vos commentaires. Toujours un petit mot gentil. Et ben putain, mais moi ça me touche de fou. Vraiment, ça me touche de fou. Alors moi, je tenais à vous dire un truc. Parce que, couillonne que je suis, je me pose là. Je vous promets, les filles, que tout ce que vous m'envoyez, je l'utilise. Je vous jure, hein. Mais j'ai un problème en fait. C'est que dès que je fais des trucs, parce que souvent, bah forcément, ici pour envoyer et tout, bah, je vais faire ma créa. Et je suis tellement pressée que la personne, elle le reçoit parce que souvent, bah je la fais attendre. Parce que je suis pas aussi rapide que vous. Parce que en ce moment, la veuve noire, elle me fait chier plus. Non, vous n'avez pas entendu le bip. Non, non, vous n'avez pas entendu. Parce que, bah, vous savez quoi. Et donc, du coup, bah, dès que j'arrive à finir une créa, bah, vite, 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 je l'emballe. Et vite, je scotche l'enveloppe et tout. Et une fois que j'ai scotché l'enveloppe, j'ai pas montré aux copinettes. Donc, j'essaie de sauver le truc. Parce que par rapport à l'évolution de la créa,
Et ben j'envoie à Chérie les photos. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu ferais tout? Non, parce que Chérie, je vous promets, hein, c'est. Et des fois, ils m'aident et tout pour la coordination des couleurs et tout, c'est un truc de fou. Hein. Je te jure, des fois, les créas, tu te demandes si c'est moi qui les fais ou si on les fait à deux. Hein. Ah, je te jure. Et donc, j'arrive à choper les photos, comme ça. Et puis, je les mets sur mon Instagram. Alors, les filles, allez sur mon Instagram. Hein, parce que les créas que je fais, je sais pas, j'ai pas encore l'automatisme de vous faire une petite vidéo avec mes créas sur YouTube. Mais je vais plus facilement vous les présenter sur Insta. Donc, ben, du coup, les filles, n'hésitez pas à aller sur Insta. Allez sur Insta pour ben, voir ce que je fais avec ce que vous m'envoyez. Voilà, voilà mes petits loups pour cette petite introduction pas du tout longue. Alors, aujourd'hui, j'ai une participation sur les trois qui est arrivée. Ah, ça me touche vraiment, vraiment beaucoup parce que je l'ai contactée parce que je voulais participer et je vais participer à son concours. C'est Nadra de la boîte à idées de Nadra. Et du coup, elle a été sur ma chaîne, elle a vu que je faisais un concours. Et vite, 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 elle m'a demandé, est-ce que c'est pas trop tard, s'il te plaît, si je t'envoie une créa pour ton concours et tout. Bah, j'ai pas pu dire non, j'ai pas pu dire non. C'est tellement, tellement mignon qu'elle s'est dépêchée à faire une créa et elle me l'a envoyée aujourd'hui. Je l'ai reçue aujourd'hui. Elle me l'a envoyée hier, je l'ai reçue aujourd'hui. Et ouais, trop mignon. Trop, trop, trop mignon. Et j'ai reçu un échange de ma copinette Miss Coco et de création de ma chérinette, qu'on ne présente plus. Ma chérinette étant ma Rebecca Créabule. Et parce que ma chérinette, entre ses créas et comment elle me pourrit gâter. Mais elle me pourrit gâter tout le temps. Je vous jure. Elle me met le soleil dans la boîte aux lettres quasiment tous les jours. Alors aujourd'hui, ben, j'avais encore un énorme soleil dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai vraiment envie de vous montrer tout ça. Tout d'abord, je vous montre la participation de Nadra qui a une chaîne. La participation de Nadra qui a une chaîne sur YouTube. La boîte à idées de Nadra. Bien évidemment, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça coule de source. Alors, je ne sais plus. Elle m'a envoyé cette petite carte. Trop. Cette petite enveloppe super mignonne. Vous savez qu'on trouvait à Action. Vous savez, les blocs d'enveloppe là, elles sont trop belles. Elle a mis un petit papillon, une petite rose. Franchement, elles sont magnifiques. Je pense que ça aussi elle a rajouté, elles sont vraiment canon. Et elle a rajouté une rose blanche, elle est juste sublimissime. Franchement, elles sont trop trop belles. Et regardez, elle m'a envoyé une memory text. Où elle m'écrit donc son adresse, machin, sa date de naissance, son Instagram, son mail, ses couleurs préférées. Elle adore le bleu. Alors ça, c'est un énorme gros point commun puisque j'aime le bleu, particulièrement le bleu turquoise. Je crois que le bleu, j'en mettrai partout.
j'en mettrai partout. Et c'est génial puisque de toute façon, la créa que je vais faire pour Nadra, elle sera bleue. Donc, c'est génial. Ensuite, elle dit qu'elle aime le violet mauve, les couleurs pastel, le orange, etc., etc. Les thèmes qu'elle aime, elle aime beaucoup le vintage et autres. Donc, elle n'est pas compliquée à satisfaire. Par contre, elle n'aime pas Halloween. J'aime beaucoup son idée de mettre ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. C'est bien parce que comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper quand on fait donc des échanges ou autres. Moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Ensuite, dans cette enveloppe craft brun, elle m'a cacheté avec une jolie fleur en mousse 3D avec une petite étoile en dessous. Et regardez-moi sa carte, elle est juste sublime. Franchement, je crois que, étant donné que j'aime le bleu, je kiffe le bleu, j'adore le bleu. On a bien compris que mon dessin animé dans les Walt Disney, c'est Princesse des Neiges. Et puis même l'histoire et tout, enfin, moi j'adore Princesse des Neiges. Et regardez-moi cette carte. Quand tu aimes le bleu, comment tu ne veux ne pas craquer? Et regarde derrière. Elle est juste trop belle. Le reflet qui se re, son visage qui se reflète dans la glace de l'iceberg, enfin, tu vois quoi. Ouh là là, je me sens fatiguée, hein. Je cherche mes mots. On n'est pas dans la Moïse. Donc, à l'intérieur, Nadra m'a mis un petit mot. Que je vais garder pour moi. Mais juste pour vous montrer comme ça de loin. Elle m'a mis des flacons, mais oui, des flocons de neige. Super beaux, ils sont transparents, ils sont vraiment magnifiques. Et elle m'a fait une petite pochette avec un flacon de parfum. Tu vois, flacon, flocon, j'étais pas loin de la vérité, hein. Il est vraiment super beau en plus. Et il est en dur. Le flacon, j'allais dire flocon, le flacon, il est en dur et il est super beau. Je l'avais jamais vu. Il est vraiment magnifique. Franchement, sa carte est super jolie. Et dans une petite enveloppe qu'elle a dû faire elle-même, je pense. Le papier est embossé et il dit glacé. Elle m'a fait une superbe jolie ATC. Vraiment magnifique. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Il faut vraiment que j'achète les pochettes pour bien classer ces jolis ATC parce que je commence à en avoir plusieurs et je vais les garder très très précieusement. Elles sont magnifiques. Franchement, les filles, vous avez un niveau, mon Dieu. Parce que en plus, il faut savoir que Nadra, ça fait pas très longtemps qu'elle scrappe.
petit peu plus longtemps que moi, étant donné que moi j'ai commencé à l'hôpital, donc février-mars, étant donné que nous sommes en mai. Bon. Voilà quoi. Mais quand même, ça fait pas énormément de temps. Il y a un an. Voilà, elle est tombée dans le scrap il y a un an, tout à fait par hasard. Et franchement, c'est pas énormissime. Allez voir sa chaîne. Elle nous fait des trucs de fifou. Je vous promets, les albums qu'elle fait, on a l'impression qu'elle scrape depuis des années et des années. C'est impressionnant. En plus, j'aime bien comment on l'explique. Elle est hyper détaillée dans ses explications, même pour présenter et tout. Elle prend son temps et tout. Et franchement, rien à redire. Donc, allez la voir. C'est encore une petite boule d'amour, cette petite femme. Une petite boule d'amour, cette femme. Et de gentillesse. Et de gentillesse quand tu vois que même pas en un week-end, elle m'a fait tout ça pour participer à mon concours. Juste parce que je voulais participer au sien, bah, moi, ça me touche. Bah ouais, ça me touche de fou. Vraiment, ça me touche beaucoup, beaucoup. Je continue avec ma chérinette. Donc, ma créapule. On ne présente plus ces enveloppes. Hein. T'inquiète pas, ma puce, j'ai mis le collant sur l'adresse et tout. Enfin, de toute façon, je te dis ça, mais c'est la mienne, c'est pas la tienne. Hey. Anne-Claire, t'es fatiguée. Non, moi, fatiguée, je ne veux pas de quoi vous parler. Mais non, pas du tout. Donc, ma chérinette m'a encore pourri. Pourri, pourri. Comme je vous l'ai dit. Attends. Attends que j'aille mieux. Attends que j'aille un peu mieux. Tu vas voir quand je vais me mettre à carburer dans les créas. Tu vas plus avoir de place dans ta boîte aux lettres. Tu vas voir. Et là, tu pourras dire, oh là là, oui, oh là là. J'adore, j'adore. Vraiment, des couleurs pastel comme ça, je retrouve ma chérinette. J'adore quand elle s'éloigne de sa zone de confort. Et j'ai toujours autant de plaisir de la retrouver dans ses couleurs. Je la retrouve vraiment. Je la retrouve vraiment, ma petite chérinette. Regardez comme c'est trop mignon. En plus, elle m'a mis le petit ruban où j'ai plus qu'à l'accrocher avec les autres créations que vous m'avez faites, les filles. Et oui, j'ai fait un mur avec mon auxiliaire de vie. J'ai commencé à. Il y a un mur, tout un mur dans ma chambre qui est tout blanc, il n'y a rien, il n'y a pas de déco, il n'y a rien. Et donc, j'ai décidé eh bien, de mettre toutes vos créas sur ce mur. Comme ça, ben, j'ai toujours un petit peu de vous avec moi. Même si vous n'êtes pas loin parce que je prends grand soin de vos créas, hein, croyez-moi bien. Mais là, comme ça, je rentre dans ma chambre, je les vois. Voilà, c'est pas pareil. J'ai pas envie qu'elles soient enfermées, en fait, vos créas. C'est ça. J'ai envie qu'elles soient
qu'elle soit regardée, qu'elle soit. Voilà quoi. Je pense que vous m'avez comprise. Et il y a quelques temps, ça va faire quelques petites semaines, j'ai fait connaissance avec Corinne de la chaîne Miss Coco. Et on a papoté toutes les deux et on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un échange tout ensemble. Alors j'ai reçu son envoi. Aujourd'hui, je suis en train de terminer le sien. Qui est juste là. Je ne l'ai pas envoyé parce que ben j'ai eu des petits problèmes techniques et du coup ben, ça ne me plaît pas du tout. C'est pas à mes yeux, je trouve pas ça joli. C'est brouillon, c'est un peu raté, enfin je sais pas. Quand j'ai commencé à le faire, j'avais pas tout le matériel, tu vois. Et je suis déçue. Je suis vraiment déçue de moi parce que je peux mieux faire et je sais que je peux mieux faire. Donc je pense que je vais quand même le lui envoyer. Elle en fera ce qu'elle voudra. Ça, c'est les enveloppes. J'ai réussi les premières enveloppes que j'ai réussi à faire grâce à Rebecca, ma copine qui a la chaîne Crillabule. J'arrivais pas à me servir de ma punchboard et elle m'a super bien expliqué. Et du coup, j'ai réussi avec sa vidéo, tout elle a trop bien expliqué et j'ai réussi à les faire et je suis super contente. Maintenant, j'ai réussi du premier coup. Et voilà, c'est mes toutes premières enveloppes. Donc voilà, j'utilisais. Voilà, tu vois là, j'ai pas la perforose couture en fait. Tu sais, pour passer le ruban, il fallait une perforose fausse couture pour pouvoir passer le ruban. Et du coup, ben, j'ai pris ma perforose toute basique. Mais ça fait pas joli. Ça fait pas joli, c'est pas droit. Enfin, j'essaie de rattraper le truc, hein, mais je suis pas satisfaite. Je suis pas satisfaite. Donc, bon. Je pense que je vais quand même la lui envoyer. Mais je vais lui en faire une bien plus jolie à côté. Donc après la vidéo, vous savez ce que je serai en train de faire. Et puis, je me sens toute honteuse parce que je vous dis pas l'envoi qu'elle m'a fait. Hein. Elle m'a pourri gâtée, elle aussi. Hein. Alors déjà, regardez sa trop jolie petite carte. Elle est géniale. Le papillon, il est juste sublime ici. En vermentalo un peu là. La dentelle derrière, elle est magnifique. Une fine dentelle. J'adore la dentelle. Et à croire qu'elle savait que j'ai mis les dentelles, elle m'envoyait plein de dentelles. Regardez. C'est génial ça pour mettre dans les créas. C'est super. Franchement, sur une carte là, genre dans les fonds noirs ou même, regarde avec un bordeaux comme ça. T'as vu tout de suite, ça fait trop beau quoi. Oh,
Quand j'ai vu ça ce matin, j'ai vu les enveloppes, j'ai pas pu m'en empêcher, fallait trop que je regarde. Quand j'ai vu son enveloppe, j'ai dit, mon Dieu! Je lui ai dit, je me sens toute honteuse, moi, à côté. Et regardez, elle m'a envoyé plein de rubans, de billets, de... Vous savez, ça, ce que ça m'a fait me penser. Alors, je sais pas trop. Vous savez, soit pour faire l'école, ou ça me dit quelque chose. Mais je sais plus où on trouve ça. Il est magnifique, hein, franchement. Il est vraiment très, très, très beau. Tu vois, tu fais une découpe d'une petite fille, tu lui mets une petite jupe, comme ça. Franchement, ça fait trop beau. Ça ferait trop bien, ça fait un style un peu 3D. Franchement, j'adore. Elle m'a mis ce joli billet, comme ça. C'est pas un ruban. Je trouve pas mes mots, ça m'agace. Je suis désolée, hein. Vraiment, excusez-moi. Il est vraiment très, très beau. De la dentelle en coton ivoire, comme ça. Un mignon petit ruban comme ceci avec des fleurs super délicates, vraiment il est magnifique. Alors ça c'est un ruban. Ah non, je croyais qu'il était un peu élastique, mais non, un ruban épais. Bien solide, ma foi. Vraiment, tu sais, pour fermer les albums, ou tu vois, il est vraiment beau. Hein. Ruban comme ça, vraiment très très joli. Ça me rappelle un peu les motifs alsaciens. Tu sais, j'avais mon parrain. Il était de par là, de l'Est. Et sur les serviettes, il y avait ces motifs-là un peu. Alors, bah, ça me rappelle. Ça me rappelle, voilà, c'est. Le linge d'autrefois. Et vraiment, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ce ruban est magnifique. Et elle m'en a mis plein. C'est vraiment super. Un ruban marron. J'adore le marron. Je crois que c'est vraiment ma couleur après le bleu. Le marron et le kaki. Après le bleu, ce sont vraiment mes deux couleurs favorites. Mais entre le marron et le kaki, ça reste le marron. D'ailleurs, j'adore mélanger le marron et le bleu turquoise aussi dans passant. Et ce ruban bien épais, rose, comme ça. Alors, Corinne, quand j'ai vu ce ruban, j'ai rigolé parce que tu sais quoi? J'ai exactement le même. La même texture et tout, en jaune. J'ai rigolé, j'ai dit, bah là, franchement, il faut le faire, hein. Ah, franchement, j'étais dit, mais c'est trop bien. J'étais trop contente. Mais je suis toujours trop contente. Alors, pour la suite, mes petits loups, ça va être un peu compliqué parce que Coco m'a mis
plein de petites choses. Donc ça va être vraiment très compliqué pour moi de vous montrer tout un par un. Donc sinon ma pauvre, la vidéo va pas durer 3 plombs. Vous allez tuer quoi. Alors ce que je vais faire. Vous regardez pas le bazar. Hein. Je vais mettre sur ma table. Et comme ça, vous aurez une vue d'ensemble. Mignonne, elle m'a mis plein de découpes. Non mais sérieux, elle a trop géré. Encore une boule d'amour, moi je te le dis. Mais elle, c'est super beau. Oh, c'est génial. Oh, c'est super. Et regardez, c'est trop bien. Attends, mais je vais vous montrer. Voilà. Et ça, ce n'est qu'un sachet. Eh, franchement. Des petits tampons. Des confettis. Des petits flocons. Ils sont magnifiques. Et il y a un sachet comme ceci, et c'est énorme. Franchement, Coco, tu es vraiment un amour. Un amour. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Et ici, des petites lettres en bois, des petites ardoises, des sequins. Une petite Naya qui passe sur le balcon. Voilà. Voilà, comment te dire? Comment te dire que je suis trop heureuse? Franchement. Merci, merci, merci. Donc voilà mes petits loups pour cette vidéo. Pleine d'amour et d'amitié. Je suis blindée, blindée d'émotions. Vraiment là ce soir. Autant mon corps est en grande souffrance, mais mon cœur est tellement heureux et émotionné que je suis au bord des larmes. Là, franchement, les filles, c'est un truc de dingue, quoi. C'est comment vous remercier? Voilà. Comment vous remercier? En tout cas, de tout mon cœur et de toute mon âme et avec toute ma sincérité et mon amitié, je vous embrasse très très fort et je vous fais un énorme gros câlin de bisounours et un énorme grand merci, 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 merci. Et donc, il est temps pour moi de vous laisser parce que je pense que cette vidéo doit être pas mal à rallonge. Je vous fais donc des énormes gros, 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 gros bisous d'amour. Et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous, mes petits loups. Mouah.